Salut, sou Céline, francesa e moro em Brasília. Sou criadora deste canal Os Franceses Tomam Banho, onde ensino francês e falo sobre a cultura do meu país. Neste vídeo, eu vou levar vocês numa visita do meu apartamento para aprender o vocabulário da casa. Vamos treinar um pouco porque precisa e vamos organizar um pouco o escritório. Ah, claro! Agradeço a participação especial da Pri, dessa vez atrás da câmera. Bom, lembrando que está tudo em francês, mas como sou legal, eu fiz as legendas em francês e em português para vocês. Bonnes études! Salut, salut! J'espère que vous allez bien! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! La journée a déjà commencé, mais j'ai pas réussi à filmer parce que il y a des moments où il faut choisir, tu vois. Tu peux pas tout faire. Là, je vais aller faire un peu de sport. J'aime bien faire du sport dans la salle de gym de l'immeuble, mais elle était déjà occupée. Et avec le Covid, c'est pas réservation. Donc, c'est pas grave, j'irai demain. Mais du coup, c'est bien parce que je vais en profiter pour faire du sport dehors. Et c'est bien, il faut prendre un peu le soleil, recharger un petit peu la vitamine D. Pause. Regardez, il y a deux manières différentes de raconter cette séquence. Voici la première manière. Et la deuxième manière. Ça va? Quel talent! Bienvenue chez moi! Bon, alors on fait un petit house tour, d'accord? Donc l'idée, c'est pas de montrer mon appartement merveilleux, mais de travailler le vocabulaire de la maison, le vocabulaire du quotidien. Donc, nous sommes ici dans la cuisine. J'ai l'impression que je fais une publicité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la cuisine? Ah oui, je veux vous dire quelque chose. C'est que l'appartement, il est en bazar et c'est l'état normal de l'appartement. Et je voulais filmer cette petite visite depuis longtemps et à chaque fois, je me disais « Non, mais je vais attendre un moment où l'appartement est rangé, propre. » Mais ce moment n'arrive jamais. Donc, si on attend, on va jamais faire cette vidéo. Donc, vous allez vraiment voir l'appartement dans la vie de tous les jours. Donc, excusez-moi s'il y a du bazar, etc. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. En plus, avec un bébé, vous savez comment c'est. Donc, la cuisine. Donc là, on me dit, ça, c'est l'évier. Ça, c'est l'évier. Et ça, c'est la vaisselle sale. Ici, il y a... Un petit four électrique, un four à micro-ondes. On appelle ça tout simplement un micro-ondes. Donc moi, j'ai toujours dit que j'étais contre les micro-ondes. Je voulais pas de micro-ondes et j'ai récemment cédé, j'ai acheté un micro-ondes. Comme dirait ma sœur, avant j'avais des principes et maintenant j'ai des enfants. Donc maintenant j'ai un micro-ondes parce que ça va plus vite. Ça, c'est un frigo. En fait, le mot, c'est un frigidaire. Mais on appelle ça plus facilement un frigo. Ici, par exemple, ça, on appelle ça des placards. Hein, des placards. Et ça, par exemple, on appelle ça un tiroir. Un tiroir. Voilà, un lave-vaisselle. Ensuite, la cuisine qui est en train de brûler. Mon Dieu, c'est la catastrophe!
Voilà, donc ça, on a un bon exemple de qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, soit on filme une vidéo, soit on fait la cuisine, mais on ne fait pas les deux. Pris, j'espère que tu n'avais pas trop faim, parce que ça, c'était le déjeuner. Non, mais ça va le faire. Ça, c'est une étagère que j'ai peinte, parce que vous savez que j'adore peindre. Des étagères à épices. Ah, ça, je voulais vous montrer. Mon papa, il est céramiste. Donc, c'est mon papa qui a fait ça. C'est beau, n'est-ce pas? Oui. Bon, il m'en reste pas beaucoup, hein, parce que ici, on a un sport familial qui consiste à casser la vaisselle. Donc, il me reste pas énormément de choses de mon papa. Là, on a la machine à laver et les biberons qui sèchent. Et voilà, je pense que c'est ça. Ah, ça, c'est, on appelle ça une gazinière. Une gazinière. Donc, en fait, vous avez vu, plus tôt, il y avait le four électrique. Là, c'est le four à gaz. Et ici, on appelle ça une gazinière. Ça, ça s'appelle une casserole. Une casserole avec un couvercle. Couvercle. Une petite casserole. Et ça, avec ce qui reste de ma sauce aux champignons, c'est une poêle. Une poêle. Voilà, je pense que c'est ça pour la cuisine. On continue? Ok, donc maintenant on arrive dans le salon. Salon, salle à manger. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une table, d'accord, avec des chaises. Une lampe, ça s'appelle une lampe. Et ça, cette partie-là, ça s'appelle un abat-jour. Parce qu'en français, abat-jour, c'est seulement cette partie-là qui abat le jour de la lumière, en fait. Vous comprenez? Abat-jour. Donc tout ça, en fait, on appelle ça une lampe. Et ça, c'est la partie abat-jour. Ça, on appelle ça un buffet. C'est un buffet. Ce meuble, je l'ai acheté il y a longtemps. Il était blanc, il n'était pas très beau. Il a longtemps été, je l'ai peint en vert pour commencer. Donc on l'a appelé le meuble vert. Et ensuite, je l'ai peint en rose. Et donc maintenant, il s'appelle le meuble rose. Une table à repasser avec un fer à repasser. Oui, c'est pas l'endroit pour avoir le fer à repasser, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Donc le fer à repasser, la table à repasser, les vêtements à repasser, hein, les vêtements, le canapé avec Monsieur Spoutnik qui dort. Donc un canapé. On peut dire aussi un sofa. C'est possible de dire un sofa, mais bon, moi, j'utilise plutôt le mot canapé. Le mur. Ça s'appelle un mur. C'est la même chose en portugais. Parede e muro. Les deux se disent mur. Donc un mur. Avec des cadres. Donc ça, c'est des... Par exemple, ça, c'est une artiste que j'ai interviewée quand j'étais journaliste à Paris. Ça aussi, c'est un photographe que j'ai interviewé à Paris. Ça, c'est mon papa qui a dessiné, qui a fait ce dessin au fusain. Là, c'est un bureau avec des chaises de bureau, simplement. Un bureau en bois. Et une étagère. Oh, regardez ça, c'est trop intéressant. Ça, c'est mon papa qui l'a fait. On peut dire que c'est un vase. D'accord. C'est mon papa qui l'a fait en céramique. Et ça, c'est un dessin que j'avais fait moi quand j'étais petite sur une feuille et que mon papa a gardé. Et quand il a fait ce vase, il a reproduit le dessin que j'ai fait quand j'étais petite. Mais je dois vous dire la vérité, il a reproduit bien mieux que moi parce que je dessinais pas aussi bien que ça. J'ai été voir le dessin original et c'était pas... Il n'y avait pas autant de style, je peux vous dire. Mais ok, ça me fait un beau souvenir. Oh, ça, c'est ma plaque. Ma plaque de YouTube de 100 000 abonnés. Et maintenant, on est à 500 000. Et je crois que la prochaine plaque, c'est 1 million. C'est 1 million. Alors, laissez votre pouce sous cette vidéo. Inscrivez-vous à cette chaîne et partagez cette chaîne avec vos amis qui apprennent le français. Bon, voilà. Donc, on a des livres, des plantes, des cadres. Voilà. Là, on arrive dans la chambre de Maëlle. Est-ce que vous connaissez la différence entre une armoire et un placard? En fait, l'armoire, elle a des pieds, alors que le placard, il n'a pas de pieds. D'accord? Donc, c'est la différence entre l'armoire et le placard. Les vêtements de Maëlle. Et ça,
on appelle ça un cintre. Donc les vêtements sont sur les cintres. Donc là, c'est le lit de Maëlle. Donc ça, c'était un cadeau de nos associés chez OFTB. C'était un lit évolutif. Donc au début, il était petit. C'était un petit lit et ensuite on a rajouté ces parties-là, ça se transformait en lit plus grand. Donc ici vous avez beaucoup d'œuvres de Vania, ma belle-mère, parce qu'elle a fait les rideaux. On appelle ça des rideaux. Donc c'est Vania qui a fait les rideaux, c'est Vania qui a fait les draps, c'est Vania qui a fait le coussin d'allaitement que j'ai pas beaucoup utilisé parce que j'ai pas beaucoup allaité. Mais c'est une autre histoire. Là on a les jouets de Maëlle. Les jouets. Et là-haut, on a les peluches. Ça s'appelle une peluche. En fait, celle-là, elle est à moi. Elle n'est pas à Maëlle. D'accord? Maëlle a volé ma peluche. Les peluches de Maëlle, elles sont là-haut. Ici, je ne sais même pas si on va réussir à rentrer. C'est la salle de bain dont on se sert pour Maëlle. Bon, bah voilà, salle de bain. Donc là, on a la petite baignoire en plastique de Maëlle. Ici, c'est la douche. Donc ça, je vous ai dit, hein, tomar baño, en français, ça va être plutôt prendre une douche. Donc la douche, hein, au chuveiro. Ah, ça, c'est intéressant. Ici, c'est le lavabo. Vous avez vu que pille dans la cuisine, ça se dit évier. Et dans la salle de bain, ça se dit lavabo. C'est deux mots différents. Donc avec le robinet, etc. Et les toilettes. Toilettes en français, c'est toujours au pluriel. Les toilettes. Non. Les toilettes, ce serait au vaso. En fait, les toilettes en français, ça peut être la pièce, non, pour faire pipi ou caca. Pardon. Les toilettes, ça peut être aussi l'objet au vaso. Voilà, donc je vais éteindre la lumière et fermer la porte. Ok, maintenant on va manger. Miam miam, parce que j'ai faim. Pris, toi tu vas pas manger, tu vas seulement filmer, d'accord? Bon, on a terminé de manger, Maëlle est réveillée et je vais rapatrier mon matériel vidéo. Donc toutes les caméras, enfin toutes les caméras, comme si j'avais 50 caméras. Bon, j'en ai deux ou trois, donc je vais amener ça au bureau. Salut les gens, on est jeudi matin et aujourd'hui je suis au bureau à la fabrique. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le vlog, je l'ai dit sur Insta. On a trouvé un nom pour notre bureau, c'est la fabrique parce que ça va être la fabrique à cours, la fabrique à vidéo, la fabrique à projet, la fabrique à événements. On s'est dit que la fabrique c'était bien. Il est presque 9h. Et en fait, j'attends une entreprise en fait qui s'appelle Solusan Acústica, parce que vous devez entendre là que j'ai de la réverbération. Et donc ça, la réverbération pour filmer les vidéos, c'est impossible, on est d'accord. Le son est presque plus important que l'image. Et en fait, on a fait appel à une entreprise qui va nous installer des plaques en fait qui vont réduire la réverbération. Une fois que ça, ce sera fait, je pense qu'on pourra considérer que mon bureau est terminé. Donc je suis vraiment trop contente, vraiment, je suis presque émue en fait quand je dis ça parce que ça fait quand même des années que OFTB existe. Et en fait, j'avais pas vraiment un endroit spécifique. C'était toujours un petit peu du bricolage, hein, comme on dirait, gambiard. Donc vraiment, je suis trop contente. J'ai hâte. J'ai plein d'idées de vidéos pour vous faire. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire toutes vos suggestions, tout ce que vous avez envie de voir comme vidéo, les sujets que vous voulez voir abordés, de grammaire, de conjugaison, etc., de prononciation, ou d'autres sujets plus culturels, etc. Enfin bon, n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête, mettez-moi dans les commentaires.
ce que vous avez pardon, envie de voir sur la chaîne. Ah oui, j'avais un truc trop important à vous dire, bien sûr. Dimanche 9 mai, c'est la fête des mères, la fête des mamans. Et pour l'occasion, j'avais envie de faire un direct avec vous. Vous me dites souvent que vous aimez beaucoup étudier avec de la musique. Donc, ce sera une chanson sur le thème de la maman, d'accord ? Mais rejoignez-moi sur Instagram parce que dans les jours qui viennent, je vais mettre un sondage sur Instagram. Je vais vous mettre quelques musiques et vous allez choisir la musique que vous souhaitez étudier avec moi le 9 mai. D'accord ? Donc, je vous donne rendez-vous sur Instagram dans les jours qui viennent pour voter pour la musique que vous préférez étudier. Et je vous donne également rendez-vous le 9 mai sur cette chaîne en direct. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.